Bonjour à tous, bienvenue mes amis les Verseaux, bienvenue pour les tirages du prochain semestre 2021. Je vais commencer les tirages donc du mois de juillet au mois de décembre. Ce sera juste pour qu'on voie en gros les énergies qui vont être présentes pour chaque signe. Je vais commencer par le Verseau. On va regarder votre énergie principale pour cette période-là. Donc c'est prévisionnel à nouveau, mais pour le semestre. Donc deuxième semestre 2021, vous savez très bien, on a changé de cycle, on change de cycle important, karmique, très fort. Je le redis pour tous les signes, si vous ne le saviez pas, vous pouviez écouter la semaine de cette semaine, le tirage de cette semaine, pardon. Je vais tout de suite commencer et ça va être par les Verseaux, les ascendants Verseaux, les lunes en Verseaux. Voilà, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, gardez votre libre arbitre et discernement. Ces tirages peuvent parler comme pas parler et sont interchangeables si ça parle du couple. Voilà, je vais d'abord commencer par votre énergie pour cette période et on va commencer par les Verseaux comme je vous l'ai dit. Alors les Verseaux pour le deuxième semestre 2021. Vous avez l'énergie. On nous dit et on nous conseille, les Verseaux, de retourner vers la joie, de retrouver la joie de vivre. Peut-être que ce premier semestre de janvier à juin était difficile, était morose, vous ne saviez pas trop où aller, trop quoi faire, les choses ne marchaient pas très bien, vous aviez des soucis au niveau sentimental. Il y a eu, je pense, des difficultés qui vous ont un petit peu affecté le moral. Là, on nous dit vraiment, tu as besoin d'expérimenter la joie. Retourner dans tout ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. Alors, essayez ici, les Verseaux, c'est vraiment le conseil général, de trouver, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le ressentir, de ressentir la joie, ressentir le bien-être, une sorte de bien-être par rapport à des choses qui se lâchent du premier semestre, peut-être des difficultés qui se sont réaligner des choses qui sont dépassées, on va dire simplement. Déjà là, il y a un bonheur, une joie qui revient. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et amusez-vous peut-être dans le sens rencontrer plus de gens pour vous faire plaisir. Faites des activités qui vous font plaisir. Ne soyez pas borné sur un travail ou sur la relation qui ne va pas. C'est important. Il y a eu des difficultés vraiment qui menaient certains Verseaux en dépression. Donc là, on nous dit vraiment, retourne dans la joie. Important pour ce deuxième semestre. On va faire un tableau. Je vais vous faire un tableau. Je vais vous montrer. Ce sera les énergies principales. Ensuite, le relationnel. Tout ce qui est projet. Et ce qui est conseil. Je fais toujours un tirage au tarot de Marseille déjà pour voir quelles seront vos énergies Verseau pour le deuxième semestre 2021, de juillet à décembre 2021. Quels seront les messages pour vous les Verseaux? Verseau. Donc un tirage en croix avec le tarot de Marseille. Verseau pour le deuxième semestre 2021, pour le Verseau de juillet à décembre. Quelles sont les prévisions pour le Verseau de juillet à décembre 2021? Alors, on va déjà regarder ici ce tirage pour vous. On a la justice en positif. Toujours peur qu'il tombe. N'hésitez pas d'aller regarder les tirages amour. Hein, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de vue. Alors, si quelqu'un a une explication, dites-le moi. J'aimerais vraiment une réponse. Pourquoi il n'y a pas de vue? Non, c'est vrai. Quand tu as 3, 4 000 vues, 5 000 vues, puis tout à coup, tu en as 400. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait me répondre? Ok, Verseau, vous avez pour ce deuxième semestre la justice. Donc, on voit que quelque chose a été tranché. C'est les énergies actuelles, les énergies qui seront en cours. On voit qu'il y a une justice qui va être faite, qui va vous être faite. Vous allez décider de quelque chose. Vous allez trancher par rapport à une situation, justement, une situation difficile. Vous allez peut-être lâcher une personne avec qui ça n'allait pas, changer de travail qui ne vous plaisait pas. Vous tranchez, vous faites justice, vous retrouvez un certain équilibre.
ce qui est très positif. Ce qu'il y a eu dans en contre, alors ce qu'il y a en contre, on va dire, comment expliquer, l'empereur en contre ici, parce que moi je vois, je fais pour, contre, ce qui est en pour votre semestre, ce qui est en contre pour, dans le semestre, ce qui domine le semestre, ce qui est la réponse. Ce qui est en contre, on dit l'empereur. Vous aurez peut-être de la peine à réussir certaines choses. Parce que vous serez dans cette énergie, sortir de la peur. On voit que vous sortez d'un tunnel pour aller vers la lumière. D'accord? Donc peut-être ce ne sera pas encore facile, ou il y aura une difficulté d'avoir cette énergie où vous maîtrisez complètement, complètement votre vie. Elle sera, elle est en contre, donc l'énergie du gagnant, de l'empereur qui mène son chariot. Oh, mais il y a des gens qui crient dehors, pardon. Qui mène son chariot, eh bien, sera un peu, je dirais, pas votre force. Ça ne va pas être facile, facile. Je ne dis pas le contraire, hein. Parce que normalement, si elle serait bien, ou vous serez dans la réussite, et où tournera tout en votre faveur, elle serait placée de ce côté-là. Là, on a encore un petit peu de peine à savoir peut-être où on va retrouver la joie, mais la retrouver dans quoi? Peut-être que vous avez encore des doutes. Donc cette énergie, ouais. Donc cette énergie ici n'est pas encore présente totalement pour vous. Donc, on voit effectivement qu'il faut sortir de quelque chose de difficile, vu que ça domine ici, c'est les passions. Les passions, donc il y a peut-être certains Verseaux qui se sont tournés vers une certaine, comme je l'ai dit, difficulté, usée de dépendance. Là je vois un espèce de mal-être personnel. Mon corps, ou peut-être quelque chose qui va vous affecter. Je ne sais pas si ça viendra de l'extérieur ou sur vous-même, mais il faut faire attention aux dépendances, aux produits, hein, pas les virer dans l'alcool, le tabac, les jeux, le sexe, ou aller dans les mauvaises vertus, hein, voilà, tout simplement, parce qu'on n'a pas encore trouvé cette lumière, alors qu'on doit se diriger vers elle. Vous avez des choix à faire importants, vraiment, trouver cet équilibre. Les Verseaux. Et oui, et c'est la solution et la réponse, elle nous dit, il faut trouver la foi. Il faut être dans la foi. Déjà y croire, déjà savoir que ça existe, même si on nous dit, et j'ai entendu beaucoup de gens autour de moi qui disent, mais je ne vois pas des anges, je ne vois pas l'archange, j'y crois pas, je crois que ce que je vois. Ben ça, c'est encore, c'est les vieilles croyances, ça, c'est plus possible de croire à ça, quoi qu'il y en a beaucoup. Mais si vous essayez de prier, si vous essayez de croire, c'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est ce qui va vous aider vraiment d'aller vers la lumière. Priez, demandez. Les anges sont là pour nous aider. Demandez de retrouver la lumière, d'aller vers une amélioration de votre situation ce deuxième semestre. Voilà le tirage au tarot. On va regarder maintenant les énergies principales. Verseau, deuxième semestre 2021. J'ai pas fini les tirages sentimentaux, hein, je vais les finir, ne vous inquiétez pas. Verseau, deuxième semestre 2021. Alors, il y a un éveil qui se fait. Magnifique. Ah bah j'espère, hein. Verseau, énergie du deuxième semestre. Il y a le destin qui est avec vous. Regardez les couleurs comme elles sont similaires. Et la destinée qui entre en ligne de compte, donc je vous l'avais dit peut-être dans le tirage de juin ou de juillet, il ne vous laisse pas tomber, il y a une remontée, il y a un changement, c'est ça, changement de cycle, changement de karma, vous avez un karma réglé. Bon, j'ai tout le temps, pour ceux qui le veulent ou ceux qui ne le veulent pas, eh bien tant pis. Hein, on vous propose certaines choses. Les énergies générales nous parlent de réveil pour les Verseaux durant ce deuxième semestre. Donc mieux que le tirage du tarot, le tarot parle quand même que vous êtes dans des énergies assez difficiles, hein. Il faut trouver la foi, qu'il faut dépasser nos dépendances, ça parle un petit peu plus de ce que vous vivez peut-être actuellement, de retrouver l'équilibre, oui, et puis de faire attention à ne pas sombrer dans les dépendances. Donc là il y a un éveil, on nous dit, vous allez ouvrir votre chakra couronne, carte numéro 1 pour un redémarrage, redémarrage de ce cycle. Donc connexion, là vraiment on nous dit, il y a plusieurs connexions spirituelles, c'est que des cartes spirituelles en fait. Connexion spirituelle,
Ça veut dire que tu vas être plus ouvert à recevoir des messages de là-haut, des coïncidences, des synchronicités. Tu vas être aidé en cas de souci. T'inquiète pas. Le destin aussi être en œuvre dans ta vie pour ce deuxième semestre est présent. La destinée, ce que tu devais vivre, le Verseau, tu vas le vivre. Voilà, c'est un petit peu ça. On peut toujours changer sa destinée, mais il y a une certaine trame qui est là. Voilà, on est destiné à faire, je sais pas, à aider les animaux. Si vous êtes en dehors de votre destinée, de votre chemin de destinée, on va vous y placer. Et puis on nous parle encore de spiritualité, de connexion de spiritualité, où il y a la destinée aussi, ou le spirituel, ici dans la relation sentimentale. Donc ça peut nous parler de vie sentimentale, où vous trouverez votre double pour les énergies principales ici. Les Verseaux, vous allez vivre une belle relation spirituelle, vous rencontrerez votre âme sœur, vous vivrez une relation d'âme sœur très agréable. J'espère que ça va se réaliser. Il y a quelque chose de très spirituel dans vos énergies principales, les Verseaux. On va regarder le relationnel et l'amour. Ça peut être familial, amour, amitié. Donc les Verseaux, pour le deuxième semestre 2021. Il y a de nouveau ces problèmes. Il y en a certains qui se sont laissés aller. Hein. Certains Verseaux, vous vous êtes laissés aller dans des difficultés. Dans les dépendances, c'est comme sorti deux fois. Hein. Ok. Au niveau relationnel, on nous parle bien. Et on reparle de ça. Attention aux dépendances. Ne soyez pas mal. Et cachez pas vos tristesses ou vos problèmes dans les produits qui vont vous aider momentanément, mais pas sur le long terme. C'est ça, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Je pense pas que vous allez avoir une adversité, à mon avis, non. Je pense pas du tout que c'est ça. Je pense que c'est vous. Une adversité, non. Mais des problèmes au niveau relationnel. Alors. Vous aurez peut-être avec certains de la dépendance. Vous avez peur de rester seul. Vous avez peur de vous séparer de quelqu'un. Vous êtes dépendant d'une personne, dépendant à l'amour, dépendant au sexe. Si vous n'avez pas l'amour, par exemple ici, vous manquez d'amour, vous comblez avec, ou vous allez combler avec des produits. Donc on nous dit faites attention à ça. Hein. Attention aux dépendances malsaines, à l'alcool, à la drogue, de ne pas tomber là-dedans. Pas combler l'amour avec des produits, mais comblez-le avec votre propre amour. Apprenez à vous aimer, à vous faire du bien, à être dans la joie, aller dans la joie, aller vous faire du bien. C'est ça, c'est s'aimer. Je vais à la plage, je vais au soleil, je vais me promener, je vais dans la nature. Vous vous rendez compte quand vous aurez le sourire, vous verrez. En amour, on nous dit qu'il y aura des réconciliations. Ça peut être avec la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans tout ce qui est relationnel avec un frère ou une soeur, certains Verseaux, vous allez vous réconcilier avec peut-être votre papa, votre maman, vos frères, votre ancien partenaire, c'est tout à fait possible. Et il y aura durant ce deuxième semestre, donc là c'est bien, si vous comptiez sur une réconciliation, il y avait des problèmes peut-être avec quelqu'un, donc ça va se faire. Et puis avec la naissance, on nous parle, donc pour certains Verseaux, il y a des naissances qui vont avoir lieu, on ne peut pas dire autre chose, hein. Ou bien vous allez faire des projets avec votre partenaire, votre partenaire d'amour. Si vous rencontrez ou si vous vivez une belle relation spirituelle d'âme sœur, vous ferez des projets pour le futur, ou une vie commune. Ou ça peut nous parler de démarrage de relations sentimentales pour certains qui sont célibataires. On va parler maintenant de tout ce qui est travail et projet. Verseau, vous voyez, ça sort tout de suite. Hein. Verseau pour le deuxième semestre 2021, travail pro business, travail activité professionnelle, le business pour les Verseaux, deuxième semestre 2021, juillet à décembre 2021. Donc, les Verseaux. Pour le travail,
je vais voir tout remonter parce que j'ai encore une ligne qui sera la dernière ligne pour les conseils pour que je puisse les voir. Là, au niveau du professionnel, on nous parle pas mal d'indépendance. On nous dit que j'ai l'impression que certains, elle est tombée, donc je vais en parler, vont se mettre à leur compte, vont chercher à trouver pour se mettre en indépendant, lancer leur propre business, faire leur, leur affaire. Quelque chose qui pourrait être en famille, donc le père avec sa fille, si vous n'êtes pas une petite fille, mais là c'est plutôt une petite fille. La petite fille, de quoi ça pourrait parler? Ça pourrait aussi parler de travail avec les enfants. Hein, ça peut être vous ici. On voit qu'il y aura besoin de beaucoup de courage, de force, de détermination, que vous allez l'avoir, peut-être pour lancer un business. Alors, est-ce que c'est un business en rapport avec l'éducation, avec les enfants? Est-ce que c'est un business en rapport avec l'humain, pour aider l'humain? Un business, c'est quelque chose que vous lancez, hein. Vous lancez une association, c'est quelque chose que vous allez mettre sur pied avec la force, le courage, l'endurance, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va vous demander du temps, qui va vous demander de puiser en vous. La petite fille, alors ça peut être quelque chose que vous avez aussi en tête depuis que vous êtes enfant, que vous voulez voir réaliser. C'est aussi ça qui est possible. Peut-être des réalisations de rêves d'enfant. Quel est ton rêve depuis petit à réaliser maintenant? Mais je vois beaucoup d'indépendants. Beaucoup d'indépendants ici pour les Verseaux. On va prendre des cartes conseil maintenant. Je vais prendre les cartes de... Non, je vais prendre l'oracle des fées. Je vais prendre celui-là. Conseils, on va voir un petit peu les messages conseils. Verseau, deuxième semestre. À décembre 2021. On parle de conseils de trouver sa stabilité, de trouver sa base. Vous allez avoir une amélioration de votre votre prospérité, on va dire comme ça, les Verseaux, deuxième semestre 2021. Vous allez avoir la lumière. Bon, ça c'est des conseils. C'est ce que je disais qu'on n'allait pas tout voir, parce que Catherine. Voilà, je mettrai comme ça. Alors, vos conseils, les messages qui sont importants pour votre deuxième semestre. On nous dit de trouver, de donner à votre vie une base solide, sérieuse. Travaillez votre chakra racine. Bien vous enraciner. C'est trouver un équilibre. Justement, moi, je conseille que toutes les dépendances, essayez de les supprimer. Même dépendance à l'amour. S'il y en a qui manquent, c'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous parle de ça. Essayez de vous aimer. Trouvez un équilibre, une base solide. On avait vu tout à l'heure un manque d'équilibre. Hein. Les conseils, c'est d'aller vers ça. On nous dit qu'il y aura une amélioration financière et matérielle. Ça ira mieux. Donc, par rapport au premier semestre, vous pouvez vous en réjouir. C'est déjà une bonne chose. Et puis, là, à nouveau, on a cette carte. Tu vas avoir la lumière, tu vas avoir un éveil. Il y a quelque chose qui va se passer, ou si tu n'étais pas croyant, trouve la joie. Si tu n'es pas croyant, eh bien tout simplement, tu vas peut-être commencer à croire. Tu vas commencer à croire au destin qui est vraiment présent ici dans ta vie, aux relations karmiques peut-être. Tu vas commencer à croire aux choses qu'on ne voit pas, mais qui sont présentes et qui existent tout simplement. Voilà mes chers amis. Ce sera des 5 petits tirages pour votre prévision estivale. Estivale, qu'est-ce que je dis? Prévision estivale en partie, mais sinon, deuxième semestre 2021. Ah, voilà, merci à tous. Et puis, mettez vos commentaires, comment vous appréciez ce tirage. À tout bientôt. Au revoir.